Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville !» Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée, prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Tout au long de cette journée, nous aurons l'occasion de développer la grâce de ce grand mystère d'amour, de cette alliance nouvelle que le Seigneur a contractée dans le Christ avec l'humanité. J'aimerais simplement, durant cette messe, retenir cet aspect qui est particulièrement souligné depuis la première lecture, cette notion d'alliance qui est spécifique à la révélation judéo-chrétienne. Le Seigneur prépare Israël à cette alliance depuis Abraham. Et c'est au Sinaï que cette alliance va être scellée, et particulièrement à travers ces rites de la première alliance, dont la lettre aux Hébreux que nous avons entendue nous dit que si dans la première alliance,
les sacrifices d'animaux étaient censés enlever la souillure du péché, à combien plus forte raison le sang du Christ enlèvera-t-il la faute ? Et c'est justement dans ce jaillissement de sang, une tradition qui s'est perpétuée dans l'humanité en général, ce que dit d'ailleurs la lettre aux Hébreux, il n'y a pas de rémission des péchés sans effusion de sang. Dans les lois même traditionnelles des sociétés, et pour éviter justement que la vengeance ne prenne des proportions qui dépassent la mesure du tort qui ait pu être fait, il s'agissait de rendre sang pour sang, S-A-N-G, c'est-à-dire que le sang versé impliquait que du côté de la victime, un sang aussi soit versé par l'agresseur. Et ce cycle infernal a commencé déjà d'être, je dirais, ralenti, arrêté par les sacrifices qui se déroulaient au temple sous la première alliance. Mais Jésus, par la croix, en versant lui-même son sang, va rompre ce cycle infernal et il sera l'unique et dernière victime, mais la victime qui, justement, à cause de son innocence et à cause de la puissance divine, va pouvoir non seulement enlever le péché du monde, mais sceller en son sang l'alliance nouvelle et éternelle. Ces paroles de l'évangile de Marc sont reprises dans l'institution de l'Eucharistie, dans la célébration même de l'Eucharistie que nous faisons chaque fois à l'autel. Certes, le fait que ce ne soit plus apparemment du sang peut aussi pour nous risquer de nous éloigner justement de la force, l'intensité de ce sacrifice du Christ. L'Eucharistie, qui veut dire action de grâce, comme le disait le psaume, « Je rendrai grâce au Seigneur, j'élèverai d'ailleurs la coupe du salut pour rendre grâce », eh bien, cette action de grâce est en fait le sacrifice unique, définitif, celui du Christ, qui non seulement enlève le péché du monde, mais scelle d'une manière définitive la nouvelle et éternelle alliance. Le projet de Dieu, c'est justement de nous faire entrer dans l'alliance, c'est-à-dire dans l'intimité de son projet d'amour, dans l'intimité de sa présence. Au Sinaï, le Seigneur demande par exemple à Moïse, à Aaron, de monter avec les anciens d'Israël sur la montagne. Et là, sur la montagne, ils vont manger en la présence de Dieu, manger et boire. Déjà, cette préfiguration du banquet éternel, et qui passe par le banquet pascal, c'est-à-dire le sacrifice du Christ dans la célébration de la Sainte Messe de l'Eucharistie. Ces anciens d'Israël, avec Moïse et Aaron, ont vu la face de Dieu. Quand nous nous avançons pour l'Eucharistie, nous ne nous avançons pas
vers un rite hebdomadaire que nous célébrons, ou quotidien pour certains. Nous nous avançons vers le trône de Dieu, et ce trône passe par la croix, et sur la croix, le Christ s'est livré totalement, définitivement. Il nous a aimés jusqu'à l'extrême, et par son sang, comme le dit Paul, il nous a rendu la paix. Mais surtout, et c'est le développement même de toute célébration de la Sainte Messe, c'est que nous sommes appelés, à un moment donné, de faire une démarche, d'aller vers le Christ, d'accueillir le Christ qui s'est livré, pour qu'aujourd'hui nous puissions lui être unis. Et lui être unis d'une manière inséparable, indissociable, je dirais même définitive. En ce moment, beaucoup d'enfants, et parfois de plus grands aussi, prennent pour la première fois la Sainte Communion. Eh bien, on ne devrait pas, d'une certaine manière, communier plus d'une fois, puisque c'est d'une manière définitive. Mais, dans sa grande miséricorde, le Seigneur sait très bien que, pour nous, humains, le définitif, il prend du temps. Il se déploie dans le temps, dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons besoin d'entrer dans cette alliance comme progressivement, nous laissant saisir, nous laissant attirer, nous laissant prendre par le cœur de l'amour pour ne faire plus qu'un, entrer en communion avec Dieu, Père, Fils et Esprit, et cela par ce sacrement, ce signe visible du pain devenu corps du Christ, du vin devenu sang du Christ, par l'humanité du Christ, nous voici reliés d'une manière inséparable avec la Trinité Sainte. Dans le Christ, nous ne faisons plus qu'un avec le Père et l'Esprit. L'alliance, c'est justement entrer dans cette communion avec les personnes divines. Et il n'y a qu'une seule voie, qu'un seul chemin. Il n'y aura pas d'autre sacrifice, il n'y a pas d'autre rite que celui de ce sacrement de l'amour pour entrer en communion avec la Trinité Sainte. Par l'humanité du Christ, nous héritons de sa divinité. Alors combien il nous faut désirer et aimer l'Eucharistie? Je me souviens qu'à ma première communion, avant d'entrer dans la maison, ma maman m'avait arrêté sur le balcon. Elle ne m'a pas fait l'état du menu de ce jour-là. Mais elle m'a dit, mon garçon, souviens-toi que Jésus est en toi. Et souviens-toi toute la journée. Elle a porté mon attention, l'attention de mon cœur, à regarder à l'intérieur, à regarder vers le Christ, à ne pas détourner, ne pas me laisser distraire. On pouvait bien sûr avoir un bon gâteau, ça fait toujours du bien. Mais ce n'était pas cela l'important. C'était justement le débordement de l'amour qui humainement passe aussi par ces mets que nous aimons. Mais l'important, et qui suffit à nous nourrir, c'est bien justement ce sacrement de l'amour. Si Dieu fait alliance
Et c'est seulement dans le Christ, c'est seulement dans le judéo-christianisme que l'on trouve le Dieu de l'Alliance. Si Dieu fait donc alliance avec nous dans le Christ, c'est qu'il y a là une voie unique, essentielle, majeure, que nous ne pouvons négliger. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis arrivé quand même à l'heure, mais comme je ne connais pas bien encore les routes de Vendée, je me suis perdu dans des ronds-points et je suis allé là où je ne pensais pas aller. Mais si nous essayons toutes les routes, nous perdons du temps plutôt que d'aller directement vers le Christ. Il y aura toujours cette route qui mène au royaume, il nous l'offrira. Mais si nous sommes liés avec Jésus, c'est lui qui marche en avant, qui nous guide et qui nous guide jusqu'au royaume, qui ne laissera pas se défaire cette alliance nouvelle et définitive. Alors demandons vraiment cette grâce au Seigneur pour nous tous, pour nos enfants qui font leur première communion, pour tous ceux qui s'approchent de la table sainte, qu'aujourd'hui nous le fassions d'une manière peut-être où nous reprenons conscience de ce pas, cette décision que nous prenons d'aller communier. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous sommes comme sous la nuée de sa présence. Et le Seigneur le dit dans l'institution de l'Eucharistie. Il s'agit de faire mémoire de cette alliance, mémoire de son amour. Lui seul peut combler notre attente, notre espérance. Lui seul peut faire grandir notre foi jusqu'au royaume. Et surtout, ce sacrement de l'amour peut, lui seul, nous livrer à l'amour pour aimer comme Dieu aime.